monde, c'est Souls. Vas-y, Asnet. Et action. Voilà, merci. Et on se retrouve pour la saison 4 de Kill the Patrick, avec moins de monde que les saisons précédentes. Pour la simple et bonne raison que, je sais pas, mais Pierre vous l'expliquera après. Oh, le mec, il fait bien la merde. Alors, on va commencer par présenter tout le monde. Il y a Bill, Silverlight, bonjour. Yeah, salut à tous. Aurélien. Salut. Nek. Coucou. Souka. Chouir. Zephyr. Oh. Asnet. Harry. Harry peut pas parler. Harry. Non, Harry, il a répondu dans le chat. I play for you. Salut, j'adore ton Astop Pic. Salut. Et Kid. Coucou. Et Hitler, entre autres, mais on s'en fout. Et dans le trou, il y a Shorty. Et ouais, Shorty. Shorty va arriver. Donc on va le représenter avec ce bout de cuir que Asnet a ramassé. En cuir. Tu l'as ramassé, ils vont prendre, moi. Et puis voilà. Et pour expliquer juste le fait qu'on soit un petit peu nombreux, on a fait un sondage auprès de tous les participants et on voulait faire un petit retour aux sources comme la première saison, donc un petit peu nombreux. Retour aux sources. Retour aux sources. Il y a quand même une nouvelle tête, Aurélien, qui avait jamais participé jusqu'à présent. Mais avec un seul œil parce que l'autre il a une flamme. Et puis voilà, il y avait Nox devait participer aussi, mais il a un imprévu. Et Elvis c'est pareil, et il est en plein déménagement, donc malheureusement il pouvait pas. Deux choses spéciales cette saison, donc c'est en solo déjà, mais deux règles. D'une part, il fera jour tout le temps, c'est Eternal Day. Donc on peut se balader dehors tranquille. Ça évitera les 5 minutes où on se dit putain j'attends le jour et puis finalement tu sors trop tard. Et deuxième règle, le craft de la boussole a changé, il est un peu plus compliqué, il faut un item de loot de chaque mob pour le crafter. Et à chaque fois qu'on fait un clic droit avec la boussole, ça fonctionne un peu comme en Hunger Game, ça pointe vers le joueur le plus proche à condition qu'on ait de la rotten flèche dans son inventaire et ça consomme une rotten flèche à chaque fois. Donc c'est pour improver le PvP. Improve. Voilà. Et vous remarquerez dans le chat que Stealer tout le monde va faire comme moi cette saison. Oh, ça arrive, Pierre, ça arrive. De quoi fera-t-il une build? Ouais. Harry Lafon est un loser. Vrai. Bon bah voilà, mec, non. Harry. Et ben, c'est parti alors, du coup. Ouais. Let's do this. Allez, c'est parti. Attends, j'ai charge. Oh, fuck.